Pour définir la complexité, la meilleure façon de l'aborder, c'est de l'aborder par la notion de cause. Cause, un grand thème philosophique, hein, l'histoire des idées est traversée par la recherche de ce que c'est que la cause. Et pendant très 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 longtemps, depuis les pré-socratiques, Aristote, etc., la cause, c'est un antécédent inconséquent. On a une linéarité, c'est-à-dire il y a une cause et il y a un effet, y compris pour Aristote, qui distingue de quel type de cause. Mais toutes ces causes aristotéliciennes sont toujours des causes organisées sur la séquentialité temporelle, un antécédent et une conséquence. Même quand on arrive chez les empiristes, hein, alors on marche à grands pas dans l'histoire des idées, hein, quand on arrive chez les empiristes, Hume, un empiriste anglais, il y a une boule de billard, cette boule de billard va être mise en mouvement parce qu'elle va être heurtée par une autre boule de billard. Donc la première boule de billard qui heurte la seconde, c'est la cause du mouvement de la seconde. Alors les empiristes ont accepté cette idée-là, mais quand on essaye de voir quel est le substrat même de la cause, on n'y arrive pas. On voit l'effet, mais on ne comprend pas ce que c'est que la causalité comme élément conceptuel. Elle ne s'observe pas. Et les empiristes anglais étaient très, très, très déroutés par ça. Ils voyaient la chose, mais ils ne pouvaient pas voir ce que c'était que la causalité en elle-même, le concept de causalité incarné dans la physique d'un choc, par exemple. Ensuite, vous avez un grand moment dans l'histoire de la pensée, on marche encore un très grand pas, c'est Kant. Alors Kant, c'est le premier qui va avoir une intuition profonde de ce que peut être la complexité, parce qu'il va, d'abord la causalité pour Kant, c'est un des principes de la raison pure. Hein, vous avez les a priori de la raison pure, l'espace, le temps, et vous avez ensuite un second niveau qui sont les principes de la raison pure, et la causalité, c'est un principe de la raison pure. Notre pensée, notre raison, la raison pure, c'est l'essence, la quintessence de la pensée, contient comme principe fondateur la causalité. Alors Kant, il observe qu'il y a un type de causalité particulière qu'il appelle l'action réciproque. C'est-à-dire une chose agit sur une seconde chose et cette seconde chose agit en retour sur la première chose. On appelle ça aujourd'hui une rétroaction, mais pour Kant, il appelait ça l'action réciproque. Les deux choses sont en interaction. Et il dit très bien que cette action réciproque, elle crée quelque chose. En termes contemporains, on dit elle fait émerger. Mais elle crée quelque chose qu'il appelle un tout. Et le tout de cette interaction, de cette action réciproque, n'est pas réductible à la somme des deux éléments constituants. Donc là, il y a déjà un grand pas en avant sur la notion de complexité qui, à l'époque moderne, est défini par ce qu'on appelle maintenant la causalité récursive, c'est-à-dire un élément agit sur un élément A agit sur un élément B, cet élément B, il agit aussi sur cet élément A. Pas forcément en retour, parce que là, si on dit qu'on est en retour, on est dans une séquentialité temporelle, mais on dit mais simultanément. Et donc on est dans cette récursivité de ces deux éléments, ce qu'on appelle la causalité récursive. Alors la causalité récursive, si un élément A agit sur l'élément B, que celui-ci aussi agit sur l'élément A, il crée un troisième objet, un objet qu'on va l'appeler C, hein, c'est un formalisme. Et bien cet objet C, il a une existence en lui-même. Il a émergé de la causalité récursive, et c'est un objet qui a une ontologie, il existe. Non seulement il existe, mais il est dans son ontologie, dans sa constitution, il y a la trace de l'interaction qui lui a donné naissance. Donc il y a la trace de A et la trace de B. Ce qui veut dire que c'est que dans un domaine, vous avez, par exemple, l'objet A va disparaître, il n'existe plus dans le réel. Mais il a créé auparavant, dans cette interaction avec B, il a créé l'objet C. L'objet C continue
à avoir la trace de A. Donc A continue à exister dans C. Alors ça, c'est fondamental pour comprendre toutes les questions de transmission qu'il peut y avoir, par exemple, sur le plan transgénéalogique. Hein, dans le grand débat Lamarck versus Darwin, il n'y a pas d'hérité des caractères acquis, etc. Darwin a certainement raison. Mais il reste des Lamarckiens qui pensent qu'en fait, il y a dans la complexité des systèmes biologiques la trace de quelque chose qui s'est produit auparavant, parce que les systèmes biologiques sont complexes. Alors là, c'est une grande ouverture qui permet aussi de réanimer la pensée freudienne, hein, puisque la pensée freudienne, elle est fondamentalement lamarckienne et qu'elle se tient de la pensée lamarckienne. Alors, cette récursivité, elle crée donc un système, elle fait émerger un système, c'est système parce que éléments coexistants en interaction, c'est un système dynamique, parce que ça bouge, ça reste pas statique, et c'est complexe, parce que c'est lié sur la récursivité, et qu'on ne peut pas le réduire en constituant élémentaire. Alors, exemple de système dynamique complexe, et ben vous avez l'atmosphère, vous avez le système immunitaire, système dynamique complexe. Alors là, c'est les travaux d'un grand chercheur décédé qui s'appelait Francesco Varela, qui a montré, là, chilien exilé en France, et qui a montré la nature dynamique et complexe du système immunitaire. Et puis, on pourrait dire, eh ben, la psyché, c'est-à-dire notre organisation, notre vie psychique, peut être assimilée, peut être comparée, peut être métaphorisée à un système dynamique complexe de grande dimension. Alors, pourquoi ? Qu'est-ce qu'on gagne à métaphoriser ou à plaquer comme ça sur la psyché cette notion de système dynamique complexe ? Eh bien, on y gagne beaucoup, à mon sens, sur le plan épistémique, parce que les systèmes dynamiques complexes, ils ont des propriétés. Et ces propriétés, elles sont remarquablement intéressantes. La première propriété, c'est celle de l'historicité. C'est-à-dire qu'un système, vous prenez un système dynamique, à un moment donné de son existence, il a en lui son histoire, il porte son histoire, sa constitution, et encode son histoire passée. L'exemple du système immunitaire est un des exemples très, 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 très aisé à comprendre. Hein, on le sait, le système immunitaire a la trace des infections qui se sont passées auparavant. Et par cette historicité, il est aussi dépendant des conditions initiales. C'est-à-dire qu'au départ des interactions premières entre ces éléments récursifs là, qui ont fait émerger ce système, il y avait des conditions initiales. Et ces conditions initiales, c'est-à-dire les façons dont l'environnement dans lequel ce système... Quel était cet environnement dans lequel ce système a été plongé ? Eh bien, cet environnement, il va déterminer l'évolution, les trajectoires dynamiques de ce système. Donc, il est dépendant des conditions initiales. Alors ça, c'est tout à fait intéressant pour nous, psychanalystes, puisqu'on sait que la toute petite enfance, les éléments de la toute petite enfance, déterminent en grande partie des éléments, en grande partie, pas totalement, mais en grande partie des éléments de la vie psychique ultérieure. Donc, conditions initiales, historicité, conditions initiales, et singularité. Singularité, c'est-à-dire qu'aucun système dynamique, de par son histoire et son évolution, n'est comparable à un autre. Vous n'avez pas deux systèmes immunitaires identiques. Vous avez deux jumeaux homozygotes, leur trajectoire immunitaire va faire qu'ils vont avoir des systèmes immunitaires différents. Voilà, donc il n'y a pas... La singularité, elle est absolue. Il n'y a pas deux systèmes dynamiques complexes qui peuvent être identiques. Alors cette notion de singularité, elle est quand même aussi, elle évoque des choses pour nous analystes quand même, avec la notion de subjectivité, ce grand mystère de la vie, qu'il n'y a pas deux personnes sur Terre qui sont semblables sur le plan psychique. Donc c'est quand même quelque chose. Alors qu'on est des 8 ou 9 milliards, il y a quand même quelque chose de vertigineux. Et bien la notion de système dynamique complexe rend compte de cette notion de singularité. Et ensuite, ces systèmes dynamiques complexes, ils ont une autre propriété, c'est qu'ils s'organisent autour
de noyaux de stabilité. Ils ne sont pas constamment en mouvement. Il y a des moments de stabilité. Et ces noyaux de stabilité, on les appelle des attracteurs. Alors, une façon aisée de comprendre ce que c'est qu'un attracteur, c'est la météorologie. En météorologie, vous avez deux attracteurs. Vous avez une dépression et un anticyclone. Et entre les deux, se produisent des événements qui sont le mouvement de l'air, hein, qui va donner les vents. Enfin, et ben, ces deux attracteurs de pression, en fait, hein, anticyclone et noyaux dépressionnaires, et ben, ce sont des attracteurs. Et ils existent aussi dans d'autres systèmes. Les systèmes dynamiques tendent à évoluer vers des attracteurs de stabilité. Et après, quand ils sont dans ces attracteurs de stabilité, ben, soit ils restent stables, soit ils bifurquent vers d'autres attracteurs, soit ils se dégradent. Enfin, il y a toute une dynamique de l'évolution de ces attracteurs. Alors, parallèle avec la psychanalyse, il est très l'application sur les positions kleiniennes de la position dépressive et la position schizoparanoïde. La façon dont Bion a repris ça comme étant un système dynamique, c'est-à-dire que les deux sont constamment en interaction, c'est tout à fait une pensée compatible avec la théorie des systèmes complexes. La notion d'attracteur, c'est là où va s'orienter un système. Elle est aussi très, très, très inspirante pour une psychopathologie, hein, c'est-à-dire que les mouvements psychiques, psychopathologiques, pouvant se stabiliser ou se déstabiliser dans d'autres configurations. Donc il y a là, avec cette notion d'attracteur, quelque chose d'intéressant. Et le gain épistémique en plus majeur, c'est que ces attracteurs, ils ont tendance à quand ils sont coexistants, à s'organiser en structure. Structure au sens du structuralisme différentiel, structuralisme jacobsonien, c'est-à-dire qu'on voit en linguistique, etc. Hein, c'est-à-dire des systèmes différentiels dans lesquels la différence entre les deux attracteurs qui va déterminer le sens ou un autre objet. Donc il y a des chercheurs, des penseurs, je pense en particulier à Jean Petitot par exemple, qui ont fait une lecture du structuralisme, que ce soit en linguistique ou en anthropologie, à partir de ces systèmes complexes, montrant qu'en fait que ces positions structurales, hein, qui existent aussi chez Lacan, hein, ces positions structurales, en fait, ce sont les attracteurs de systèmes dynamiques. Donc là, vous avez avec la théorie des systèmes dynamiques complexes, des métaphores, des concepts qui peuvent être tout à fait inspirants et intéressants. Alors, seulement, quand on est à l'intérieur de cette complexité, quand on pense à l'intérieur de la complexité, eh ben, c'est pas facile. Parce que ça nous amène à faire un triple deuil. Le premier deuil qui nous est imposé, c'est celui de l'origine. On ne peut pas penser l'origine du système. L'origine première, la causalité profonde, la causalité première. C'est impossible. Il faut faire le deuil puisque les systèmes encodent l'histoire, mais on ne peut pas remonter dans le système, on ne peut pas le casser, on ne peut pas aller chercher son origine première. Alors, pour certains, c'est tendanciel, il y a une recherche tendancielle, mais on ne peut pas. Alors, ce n'est pas forcément une perte, hein, ça peut être un gain en termes d'histoire des idées, que de se dire, je ne fais abstraction de l'origine, je ne m'intéresse pas à l'origine, je ne m'intéresse pas à la diachronie, je m'intéresse simplement à la synchronie. La linguistique est née comme ça. La linguistique moderne est née dans les années 1865 ou 6, je ne me souviens plus, par la fondation de la Société linguistique de Paris qui dit, il est interdit d'aller chercher l'origine du langage. On ne s'intéresse pas à l'origine du langage. Chercher l'origine du langage, c'est aller vers une impasse. Il ne faut pas le faire. Et on le fait, en interdisant les recherches là-dessus et en disant que ce n'est pas scientifique d'aller chercher la question de l'origine, il y a eu un gain scientifique
la découverte progressive de la linguistique comparative, puis ensuite la linguistique structurale. Donc ce deuil de l'origine, il n'est pas forcément, c'est pas forcément une perte, ça peut être aussi un gain sur d'autres domaines. Mais c'est, il y a quelque chose dans l'homme qu'il pousse à la recherche des origines. Voilà. Donc c'est difficile devant un objet de ne pas pouvoir connaître l'origine. Le deuxième deuil, c'est le deuil de la totalité. On ne peut pas comprendre le système, un système complexe dans sa totalité. C'est impossible. C'est une vue de l'esprit, mais la complexité en elle-même rend impossible l'intelligibilité de sa totalité. La seule chose qui est possible, c'est à l'intérieur d'un système complexe, faire des sections, des coupes en quelque sorte. Et par ces coupes, à l'intérieur de ce système, on a une intelligibilité locale. On n'a pas d'intelligibilité globale, mais on a une intelligibilité locale. Alors ça a été très très bien défini et mathématisé par Poincaré. Hein. Et ça, d'ailleurs, ces sections dans le mathématicien, ces sections dans la complexité, on appelle ça des sections de Poincaré. Hein. Et l'art, pourrait-on dire, quand on est confronté à un système complexe. L'art, parce que c'est pas une technique, hein, c'est pas une science, c'est un art dans lequel il y a une intuition, c'est de trouver le bon angle de pénétration dans l'objet pour faire cette section. Et on pourrait dire que la psychanalyse, d'une certaine façon, c'est l'art de trouver cet angle de pénétration dans la complexité de l'objet psychique. Et le troisième deuil, difficile, c'est le deuil de l'action. Système dynamique, une action qui pourrait le faire changer de façon, avec une préconception, hein, d'avoir une action prédictive, hein, c'est le terme que je cherchais. Je vais faire ceci, donc le système il va évoluer dans telle direction. Eh bien, ça non. Ça marche pas. Les systèmes dynamiques, on peut pas. C'est très empirique. Ces actions, elles sont prédictives, elles ne peuvent pas être modélisées, théorisées, mathématisées. Elles sont intuitives. D'une certaine façon, en immunologie, avec les vaccins, on est dans cet empirisme-là. Et on a des surprises, d'ailleurs. Ça marche pas. On modifie les choses, on le voit bouger, mais on peut pas anticiper, prédire de façon quantitative ce que va faire le système. Donc il y a le deuil de cette action prédictive. La seule possibilité qu'on aurait de pouvoir faire une action prédictive sur un système dynamique complexe, c'est de plonger ce système dans un système de plus grande dimension, dans lequel on connaît toutes les dimensions. À ce moment-là, on a la possibilité technique, mathématique, de pouvoir faire cette prédiction. Mais ça ne se produit rarement. Ça peut se produire dans certains cas. Par exemple, quand il y a eu l'arrêt des essais nucléaires, il y a eu des essais nucléaires réels dans l'atmosphère. Il y a eu une simulation informatique des effets des explosions nucléaires. Et ben, ce qu'on fait quand on fait une simulation d'une explosion nucléaire, et ben les concepteurs, les programmeurs informatiques se créent eux-mêmes un système de grande dimension numérique dans lequel on peut simuler une explosion nucléaire. Donc il y a des configurations comme ça en intelligence artificielle, c'est aussi ce qu'on fait dans certains domaines pour pouvoir essayer de comprendre comment va fonctionner un système complexe. Eh bien, on se crée un système virtuel dans lequel on va plonger le système. Mais pour d'autres domaines, c'est tout à fait impossible. Donc on a ce deuil difficile de l'action prédictive.
Ne pas connaître l'origine, pas connaître la totalité, pas agir. Être confronté à la complexité, c'est être confronté à ce triple deuil. Alors, ce qui est... penser en complexité, c'est donc difficile. Alors, qu'en est-il d'analyser en complexité? Et là, on arrive à un élément central, c'est la puissance et l'originalité profonde de la pensée freudienne. Freud, penseur de la complexité. Et là, la modernité de la pensée freudienne, elle est là. Les concepts freudiens, représentation de choses, représentation de mots, affects, psychologie associationniste de la fin du 19e siècle, c'est passé. Il n'est pas dans l'épistémé ambiant. Mais là, la profondeur de sa pensée, c'est-à-dire sa métapsychologie, c'est-à-dire la façon dont il décrit le fonctionnement psychique avec ses éléments dynamiques, c'est un penseur de la complexité. Et on pourrait dire que Freud, enfin, il a assumé ce triple deuil. L'origine somatique des symptômes hystériques. Il est à la salpêtrière, il voit des hystériques, les symptômes n'ont rien à voir avec les territoires d'innervation neurologique. Pour un homme de son temps, c'est-à-dire d'arriver à penser qu'il puisse y avoir un phénomène qui ne soit pas innervé neurologiquement, et que les symptômes hystériques ne sont pas compréhensibles par l'organisation somatique, et donc l'origine somatique ne détermine pas le symptôme, n'explique pas le symptôme, et le symptôme s'explique par un ailleurs, là, c'est à assumer cette question de l'origine. Ensuite, il y a la question de la cause, la cause linéaire. Ah ben, les symptômes hystériques, ils viennent de la séduction. Donc la séduction précoce. Donc il y a eu un événement qui a déterminé le trouble hystérique. L'hystérie souffre de réminiscences. Ces réminiscences sont des réminiscences de l'attentat séducteur du père, de l'oncle sur l'enfant. Un événement réel cause un effet. Freud a fait violence à ce schéma. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il a dit « c'est pas possible, il y a autre chose ». Et donc il a fait ce saut profond épistémique de se dire « on n'est pas dans une causalité linéaire, une cause-conséquence, on est dans un autre espace qui va être l'espace du fantasme ». Une pensée de la détermination du symptôme qui va être une pensée dans laquelle il y a l'événement qui peut être réel, les séductions réelles, les attentats, ils existent. Aujourd'hui, ils sont poussés en avant par les médias dans une queue où il n'y a plus que des attentats et plus à la pudeur ou des séductions et qu'il n'y a plus que ça, que ce qui détermine le traumatisme, c'est l'événement réel. Oui, les événements réels, ils existent. Mais l'aspect, sur le plan analytique, l'aspect traumatique, il vient de la coïncidence entre l'événement réel et l'existence du fantasme, des fantasmes originaires. Et c'est par cette mise en relation de ces deux dimensions, associée à une troisième dimension qui est l'aspect constitutionnel pour Freud, c'est-à-dire la constitution du moi, la force du moi, qui va déterminer les possibilités d'apparition ou pas, ou d'un symptôme. Et il est dans cette causalité complexe, et cette causalité déjà où on n'est plus dans une interaction entre deux choses, on est dans une interaction entre plusieurs éléments. Et puis, il va y avoir cet élément aussi, ce saut en avant, qui va être, chez Freud, assumer pleinement la question de la récursivité narcissique. Parce que qu'est-ce que c'est que le narcissisme ? Si ce n'est le retour récursif de l'amour du moi, l'amour objectal,
sur le moi. Donc il y a une boucle, il y a quelque chose qui fait cette boucle et qui va transformer à ce moment-là le moi, qui va lui donner un autre. Alors c'est là où il y a des débats dans le monde analytique, hein, la question du self, hein, en particulier dans le monde analytique anglo-saxon. Est-ce que le soi, c'est-à-dire le retour réflexif, récursif de la libido, de l'amour sur le moi, est-ce que ça modifie simplement l'état du moi, ou est-ce que ça génère une nouvelle instance? Est-ce qu'il y a un changement? Est-ce qu'il y a émergence d'une nouvelle instance? Si on suit les théories de la complexité, on a des arguments pour penser qu'il y a effectivement une nouvelle instance, qui était aussi la thèse de Bella Kronberger et d'autres analystes. C'est-à-dire le soi ayant cette émergent par le retour narcissique, émergeant du moi et devenant une nouvelle instance qui est le soi. Alors, si on continue comme ça sur cette ligne on peut se dire, bah, voilà, le soi, on peut regarder quelles sont ses propriétés. Et là, c'est intéressant, parce que les propriétés de la complexité appliquées au soi, eh ben, ils sont tout à fait, ces propriétés sont tout à fait éloquentes. Historicité, sensibilité aux conditions initiales, hein, d'abord le narcissisme primaire, hein, puisque ce qu'a vécu le petit enfant sur le plan se retrouve dans la constitution narcissique, dans le soi ultérieur. Singularité, ah oui, ça effectivement, la singularité, qu'est-ce que c'est, le narcissisme pousse à la singularité, ça, hein, chacun être différent de l'autre, et admire-moi parce que je suis, voilà, je suis ce que je suis unique, je suis. Et composition d'un attracteur, hein, qui est une des propriétés des systèmes complexes, alors là, ça a été tout à fait bien évoqué. Pas sous forme d'attracteur, parce que ces analystes-là n'avaient pas connaissance de la complexité. Et par Cohut, Hans Cohut, hein, le soi, deux pôles. Le pôle du soi grandiose et le pôle de l'identification, une imago parentale idéalisée. Et le soi est partagé entre ces deux pôles. Et on le voit, alors ça, sur le plan clinique, surtout avec les patients contemporains dans lesquels la question narcissique est constamment présente, elle est la question du soi grandiose, hein, l'élection à une position grandiose et recevant l'admiration de tous, hein, en particulier le regard aimant de la mère, le regard admiratif de la mère, et ensuite le regard admiratif des autres sur soi, sur sa singularité. Ça, c'est ce que Cohut appelle le soi grandiose. Et puis, lié dans une relation structurale, hein, l'identification à l'imago parental idéalisé, qui donne en fait les aliénations idéologiques. Hein, c'est les patients qui se fondent dans un discours banal, ou un discours commun, ou dans une idéologie, qu'elle soit politique, religieuse ou autre, consommatrice, hein, et qui reste dans cette identification, et où leur existence dépend en fait du maintien de cette idéologie-là. Et que si cette idéologie est attaquée, d'abord, ils se défendent avec virulence, parce que le risque, c'est l'effondrement. Parce que le soi émergent de cette récursivité narcissique est fragile. Comme tout système complexe qui émerge, chaque système d'émergence est d'une fragilité supérieure, plus fragile que ceux qui sont en dessous. Donc il est intensément fragile, et les ruptures, les décompensations du soi qui peuvent amener à ce moment-là une pathologie, qui peut être la pathologie de la dépression narcissique, comme les troubles psychosomatiques, hein, le soi étant aussi au sommet en fait de l'évolution psychique, et étant en lien avec l'organisation somatique. Donc
on pourrait, c'est, et ça pourrait être intéressant, de creuser les liens entre la thèse psychosomatique de l'École de Paris et puis cette notion de complexité cette complexité du soi. Donc, percevoir, se représenter le soi comme système complexe est tout à fait. C'est une piste de travail fructueuse. Voilà, ça amène des pensées nouvelles, ça fait des rapprochements. Et ça. Alors, et ça permet de faire aussi des liens avec extra-analytique. Et pourquoi pas? D'abord, Freud c'est pas interdit d'aller chercher en thermodynamique, dans le folklore, dans l'anthropologie, dans la biologie, des éléments. Donc rien ne nous interdit de faire des excursions extra-analytiques. Et la première excursion que permet de faire la perception du soi comme système complexe, c'est en direction des sciences cognitives. Alors bon, pas le temps de faire un exposé sur les sciences cognitives. D'abord, je vous invite à ne plus utiliser le terme de cognitivisme, qui est un terme dépréciatif, qui n'a pas lieu d'être. Alors, les sciences cognitives, et qui en plus est un terme réducteur, puisque les sciences cognitives, elles sont composites. Il y a plusieurs courants dans les sciences cognitives, il y a toutes sortes de mouvements. Ça ne peut pas se réduire au cognitivisme tel que souvent les analystes décrivent la chose. Et les sciences cognitives, elles sont remarquablement intéressantes quand on passe au-delà des irritations de surface. Voilà, des irritations épidermiques qu'il y a quand on côtoie ce milieu, parce que effectivement vous trouvez, il y a du scientisme, c'est vrai, oui, il y a des gens qui pensent tout savoir et tout avoir tout compris avec les sciences cognitives, oui, il y a tous ces aspects-là et ils sont crispants, ça irrite. Voilà. Mais quand on va au-delà, d'irritations épidermiques et qu'on regarde les thèses des sciences cognitives avec bienveillance et intérêt, ne serait-ce qu'intérêt, eh ben on apprend beaucoup de choses de tout à fait remarquables. Et en particulier la question, par exemple, de ce que sont les fonctions exécutives. La fonction exécutive, on voit ça dans tous les rapports des neuropsychologues, fonction exécutive, attention, concentration, planification. Cette attention, concentration et planification, ce sont des fonctions qui sont intimement liées au fonctionnement du soi comme si, et à la complexité du soi. Elles sont focalisation de l'attention, c'est-à-dire faire abstraction du reste de l'environnement pour focaliser par le rayon de l'attention. Ça, c'est un terme qui vient de la phénoménologie, qui vient de Searle. Hein, le rayon de l'attention va unifier les esquisses perceptives qui sont données de façon disjointe dans la perception. Il y a des liens très profonds entre les sciences cognitives et le CERN. Donc les sciences cognitives ont une base phénoménologique très forte. Donc le regard intentionnel unifie les esquisses perceptives. C'est la fonction alpha de Bion. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire, Bion, avec sa fonction alpha qui va unifier les éléments bêta venant de la perception et qui va permettre le travail du rêve, etc., et ben c'est la même chose. Donc, est dit en langage psychanalytique quelque chose qui est dit aussi dans les sciences cognitives. Alors, ça ne peut pas communiquer parce que chacun a un langage différent. Après, il y a des questions de sociologie des disciplines qui font obstacle. Mais sur le fond, c'est la même chose. Donc, c'est tout à fait intéressant d'avoir un espace conceptuel, celui des systèmes dynamiques complexes, qui permet de donner accueil, de donner hospitalité à la fois à la psychanalyse et aux sciences cognitives. Alors, la seconde direction, excursion, c'est en direction de l'anthropologie et en anthropologie du lien social. Le lien social de psychologie des masses et analyse du moi, on ne le voit plus beaucoup. Il est mort.
Hein, et nous ne sommes plus dans des sociétés transcendantales, avec une collusion identificatrice des idéaux du moi vers un meneur, un leader. On pourrait se dire qu'il y a des sociétés qui vivent encore sur ce mode-là, et qui veulent peut-être continuer à vivre. Dans les sociétés occidentales dites libérales, dites progressistes, individualistes, etc., le lien social, il ne vient pas de là. Le lien social, il intègre la dimension narcissique. Admire-moi, regarde ce que je fais. Je suis artiste, je fais des films, je fais des livres, je suis peintre, je fais de la sculpture. Admire-moi. Viens à mon expo, viens à un truc. Et en m'admirant, tu me donnes l'existence. Et moi, en retour, j'admirerai ta production. Donc on est je caricature, hein, je schématise, mais on est dans ce mouvement de création du lien social, d'individus qui ne s'identifient plus mutuellement en se conjoignant dans une transcendance qui serait celui du leader, une image lointaine du père primitif. Hein. On est dans des interactions de narcissisme qui essayent de se structurer mutuellement. Les réseaux sociaux sont une incarnation technologique de ce mouvement. Et donc vous avez dans cette excursion une possibilité aussi, puisque un des attracteurs du soi système complexe, c'est l'imago à une image parentale idéalisée. Et c'est très très sensible dans la façon de se construire les liens sociaux aujourd'hui. Bref, avec cette dynamique des systèmes complexes, vous avez un langage, un espace de pensée, des outils conceptuels qui vous permettent de pouvoir dialoguer avec d'autres disciplines, d'autres approches, et donc de placer la psychanalyse dans le jeu intellectuel, dans la recherche contemporaine en sciences humaines, au centre, puisque la pensée freudienne est une pensée parfaitement congruente avec la complexité. Alors, pour ça, je vais donner un exemple un peu plus dans le détail, sur la question de rêver en complexité. Hein, là, le rêve, voie royale d'accès à l'inconscient. Aujourd'hui, le rêve, on n'est pas sûr qu'on en parle beaucoup en psychanalyse, peut-être encore, mais c'est comme si c'était un peu lointain. Reprendre la problématique du rêve, parce que aujourd'hui le rêve, la question du rêve ouvre une problématique centrale. C'est-à-dire que la thèse freudienne, le rêve est une réalisation hallucinatoire de désir, soit refoulé parce qu'ils ont un corps et la sexuel, soit réprimé affectivement, soit interdit. Simplement, hein, l'enfant qui rêve de fraise, il refoule pas la fraise objet sexuel. Et il a eu envie de fraise, ça t'est interdit, et il désire des fraises. Et la réalisation du désir se fait par le rêve. Réalisation hallucinatoire de désir destinée à protéger le sommeil. On rêve pour protéger le sommeil. Thèse fondamentale de Freud sur le rêve, elle est renversée diamétralement aujourd'hui par la neurophysiologie. La neurophysiologie dit le sommeil protège le rêve. On dort pour que le rêve existe. C'est exactement diamétralement opposé. Et donc dans l'argument de la neurophysiologie du rêve, c'est un argument phylogénétique. Le rêve apparaît dans les espèces biologiques au moment, enfin le sommeil apparaît d'abord, le sommeil apparaît au moment où les êtres sortent de l'eau,
et sont soumis à la pesanteur terrestre, et donc ils sont, pour maintenir leur corporéité qui auparavant était soutenue par le milieu liquide, et ils doivent dépenser énormément d'énergie. Pour récupérer cette énergie, il faut dormir. Ensuite, c'est dans l'évolution des espèces, il y a eu le grand saut qui a été l'homéothermie, c'est la régulation de la température chez les oiseaux, et puis après les mammifères, etc. Et pour ça, aussi, une activité métabolique, énergétique très, très forte. Donc une nécessité d'approfondir le sommeil. Sommeil profond. Voilà. Immobilisme, sommeil profond, pour récupérer. Hein. Mais quand on fait ça, quand un organisme est en sommeil profond, eh ben, il y a une déséfférentation synaptique. C'est-à-dire que ce qui se passe sur le plan cortical, les nouvelles synapses qui ont été créées dans la journée par l'activité de l'organisme, qui sont très fragiles puisqu'elles sont toutes récentes, elles risquent d'être détruites, désafférentées. Et donc l'acquis de la journée pour les organismes est perdu. Ça, sur le plan évolutif, c'est pas bon pour la compétition inter-espèce. Donc là, l'évolution a fait en sorte de sélectionner l'existence du rêve, c'est-à-dire de privilégier le fonctionnement du rêve, pour pouvoir pallier à cette désafférentation synaptique qui fait perdre l'expérience idiosyncrasique d'un individu dans la journée. Et c'est pour ça que le rêve, pour les neurophysiologistes, est une réactivation en mémoire épisodique, c'est pour ça que le visuel prédomine dans le rêve, des événements de la veille. Et donc il y a on rêve de ce qui s'est passé dans la journée, voilà, de telle façon à ce que les expériences de vie de la journée ne soient pas perdues. Et ça, sur le plan biologique, sur le plan sélectif, pour deux raisons. Hein. C'est une raison d'individuation, c'est-à-dire qu'il faut vu que le vécu individuel va être purement singulier, il ne faut pas perdre cette singularité. Donc c'est très important que le rêve puisse faire ça. Et puis la deuxième raison, c'est que le rêve ouvre aussi à la répétition, dans le rêve, de comportements instinctifs. Ça, c'était la grande thèse de Jouvet, hein, de Lyon, là, la grande école française du rêve, sur les chats. Hein, on prend un chat, on décérèbre, on enlève les parties du cortex qui inhibent le mouvement. Et le chat rentre en sommeil paradoxal, et donc il bouge, parce qu'il n'est plus inhibé, donc il bouge. Donc on voit le rêve se matérialiser. Alors Jouvet était très, 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 très fier de mettre en critique la psychanalyse, parce qu'il dit « Je n'ai jamais observé de comportement de lordose. » Donc les femelles chattes se mettant en position de coït. Donc la thèse freudienne du rêve est fausse. Voilà. C'était un grand argument. Et donc le sexuel n'est pas présent dans le rêve, etc. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il y a chez une reprise des comportements instinctifs. Donc le rêve, pour les neurophysiologistes, permet le maintien des acquis individuels de la journée par cette sorte de réactivation en mémoire épisodique, et maintient aussi les conduites instinctives. Donc il y a la notion de présent et de passé. Donc c'est une thèse très forte, la thèse de la neurophysiologie. C'est vraiment, c'est une thèse puissante, mais elle a ses faiblesses. Elle a ses faiblesses sur lesquelles on peut... la première faiblesse, c'est que ça n'explique pas pourquoi le rêve anticipe. Si le rêve est simplement une réactivation des acquis de la journée, il est tourné vers le passé. Pourquoi est-ce que dans les rêves, il y a une anticipation? Et ça, c'est une donnée que nous vivons tous. On dort, on veut dormir, hein, et puis on rêve qu'on prépare le café, qui n'a jamais fait ça. Ou on rêve qu'on est déjà au travail.
Donc ce sont des rêves anticipateurs d'une action destinée à dormir un peu plus longtemps. Ce qui est tout à fait la thèse freudienne. Et puis il y a la question de la déformation. Ben, si c'est en mémoire épisodique, et pourquoi est-ce qu'on ne voit pas exactement la même chose? Alors les neurophysiologistes disent mais c'est parce qu'il y a eu une dégradation déjà synaptique qui est déjà présente, donc ce qui est acquis pendant la journée se retrouve sous une forme un peu altérée. Et là on retrouve une thèse très ancienne qui avait été réfutée par Freud, hein, du rêve comme étant une cognition altérée, une cognition pas aboutie. Et donc là il y a plutôt une régression épistémique, des théories pré-freudiennes. Et puis vous avez, donc pourquoi la déformation? Pourquoi est-ce qu'il y a des déformations dans le rêve? Hein, c'est inexpliqué par la neurophysiologie. Et enfin, vous avez un troisième domaine qui reste inexpliqué, qui est la présence des symboles. Il ne s'agit pas de faire une excursion jungienne, hein, mais les grands symboles, ils sont présents. Freud le disait, et c'est une réalité. On rêve de tours, on rêve de serpents, on rêve d'eau, on rêve de feu. Ce sont des grands symboles qui peuvent avoir qui n'ont pas un sens unique, hein. Ils sont plurisignifiants. Un analyste qui se plongerait, si j'ose dire, c'est qu'à le dire, dans l'eau, symbole de la mer, vous rêvez de votre mère, il passe à côté de ce qu'elle rêve. Mais ces symboles, ils sont quand même présents. Et la neurophysiologie est tout à fait incapable et les sciences cognitives tout à fait incapables de donner signification à ça. C'est pour ça que si on se place dans le domaine de la complexité, on peut considérer que la théorie neurophysiologiste, elle fait une section dans le rêve. Une section pertinente, intéressante. Là, la phylogénèse du rêve, elle existe. Et il est possible, tout à fait possible, qu'il y ait dans la sélection dans les espèces animales de la fonction rêve, il y ait cette nécessité de réactualiser aussi, de réactiver les réseaux neuronaux pour qu'ils ne soient pas perdus. C'est pas incompatible, c'est pas avec une autre section qui est celle qu'on fait dans un autre angle dans la complexité, qui est celle de la psychanalyse, où le rêve est une réalisation hallucinatoire de désir, et qui ouvre à la régression, qui ouvre surtout au fantasme originaire, fantasme d'Oedipien, fantasme de séduction, etc. On n'est pas dans un affrontement entre deux thèses, on ne devrait pas l'être. On est dans un positionnement des sections d'intelligibilité qui est différente dans la complexité. Je passais un peu vite sur Bion, mais les thèses de Bion, par exemple, sur le rêve, hein, les fonctions alpha, les fonctions bêta, sont tout à fait... je ne sais pas si c'est pas le terme qu'utilise Bion, mais que c'est que l'introjection de la fonction alpha, hein. Il y a les éléments bêta, la mère les transforme, hein, par sa contenance, la rêverie, etc., les transforme en éléments alpha, mais pas uniquement. Ça permet chez l'enfant l'introjection de la fonction alpha. Et là, on est vraiment dans une récursivité. C'est-à-dire quelque chose des deux éléments alpha et bêta qui sont ensemble, et bien ça va permettre l'émergence de quelque chose qui est la fonction même qui est introjectée. On est vraiment la complexité... donne tout à fait explicite tout à fait ce type de fonctionnement. Donc on est dans des approches qui peuvent être tout à fait. Il ne s'agit pas d'être congruent, hein, mais on est dans des. On n'observe pas la même chose. Voilà, on est dans des approches qui sont des approches distinctes à l'intérieur d'une complexité dont on ne peut pas connaître la totalité. Peut-être que la totalité du rêve, de la fonction rêve, eh ben, peut-être qu'on ne la comprendra pas. Voilà, parce qu'elle est complexe. Alors, j'en viens à la conclusion. Ça va, je peux conclure? Cette complexité, elle nous place
en psychanalyse devant un paradoxe, pourrait-on dire, le paradoxe de qu'à la fois la psychanalyse et en tout cas la pensée freudienne est profondément congruente avec la complexité. Donc c'est une pensée profondément moderne. À mon sens, il y a une véritable atemporalité de la pensée freudienne qui est liée à l'intelligence de la pensée freudienne et à sa congruence avec la complexité. C'est une pensée de la complexité. Freud, c'est un penseur de la complexité. Donc nous devrions être bien armés dans l'univers actuel, contemporain. Et en même temps, il y a un évanouissement incontestable de la psychanalyse dans le champ culturel, scientifique, sociologique. Et il y a cet évanouissement qui est présent, qui est relatif, mais qui est quand même présent. La psychanalyse, on a l'impression qu'elle n'a plus rien à dire sur la psychopathologie ou sur les mouvements sociaux, sur l'histoire, sur l'art, qu'elle est en quelque sorte absconse, mise de côté, incongrue, obsolète. Il y a quelque chose qui ne... Et là, il y a quelque chose de profondément paradoxal. Alors, comment comprendre ce paradoxe? D'abord, on peut le comprendre en se disant que s'il y a ce mouvement d'évanouissement, c'est-à-dire de rejet de la psychanalyse dans l'épistémé contemporain, c'est que la psychanalyse continue à déranger, à être quelque chose qu'on ne veut pas vraiment affronter. On pourrait se dire qu'en fait, par exemple aujourd'hui, où nous sommes dans des schémas de la psychopathologie, trauma, symptômes, trauma, trouble, lésions corticales, trouble, hein, on est dans des causalités linéaires absolues et qu'on veut pas, et que la psychanalyse nous invite à une pensée beaucoup plus complexe. Ben ça, on ne peut pas voir. On pourrait dire que la complexité, c'est un obstacle épistémologique à la Bachelard. Hein. C'est trop... On refuse. Parce que la simplicité, une cause identifiable, voilà, on se repose sur la... Et puis en plus, on peut laisser libre cours au clivage. Il y a le mauvais, il y a les bons, il y a le méchant, il y a le bon, il y a le bourreau, il y a la victime... Mais savoir que la victime est un peu bourreau aussi, que le bourreau est victime aussi de lui-même, ça, non, c'est pas possible. Donc il y a dans ce mouvement-là quelque chose d'actif dans le refus de la psychanalyse. Je laisse de côté les histoires institutionnelles ou autres de la psychanalyse, le mouvement analytique, les péripéties sociologiques du mouvement analytique, bon, ça c'est un autre domaine. Mais simplement sur ce plan-là, hein, la psychanalyse comme, on pourrait dire, science de la complexité psychique. Ah ben ça, non. Ça, c'est pas possible dans l'épistémé contemporain. Alors, ça nous invite à quelle perspective, et qu'est-ce qu'on peut, sur quoi est-ce qu'on peut réfléchir. Une perspective, première perspective, c'est effectivement la repenser des éléments de la métapsychologie. Alors repenser, c'est ce que j'ai essayé de faire schématiquement là, avec cette histoire de topique de la complexité, de récursivité le narcissisme vu comme récursivité. Jean-Paul avec le soi disséminé, c'est aussi une pensée topique, une métapsychologie nouvelle et qui est tout à fait justifiée. Il est tout à fait incroyable de voir comment aujourd'hui ce qui se passe dans des mondes virtuels, par exemple, donc délocalisés par rapport au sujet, puis ça se passe dans le monde virtuel, ont autant d'importance pour un sujet, pour un patient, que les interactions réelles ou ce qui se passe avec sa famille. Moi, j'ai vu nombre de patients vivre des sentiments dépressifs majeurs, aigus,
à la perte d'un avatar. Bon, il y a quand même quelque chose qui reste difficilement intelligible. Donc il y a une nécessité de repenser effectivement la métapsychologie, le soi disséminé, c'est-à-dire qu'il y a dans les interactions entre, dans nos investissements d'objets, dans nos relations à l'environnement, il y a des investissements de nous. On s'investit. Et ces objets, ils font partie de nous. Alors, Jean-Paul a très très bien décrit ce qui peut se passer dans le cabinet de l'analyste, ou quand il y a un objet bouge, ou quand un tableau est décroché, ou que ça perturbe le patient. Hein, c'est quelque chose qu'on observe, hein, qui est tout à fait vrai. Ça existe aussi par rapport à ce que Cohut appelait les objets soi. C'est-à-dire qu'il distinguait Cohut dans les investissements objectaux, les investissements objectaux et les investissements narcissiques qui dominaient les objets soi. Et quand un objet soi disparaît, à ce moment-là, il y a un effondrement narcissique et qui n'a rien à voir avec le deuil objectal. C'est vraiment l'effondrement narcissique parce que l'objet soi qui a disparu fait partie de la constitution même du soi. Donc, Effort métapsychologique, c'est difficile parce qu'on se heurte aux institutions, à ce qui existe dans les institutions, aux réflexes de protection de l'acquis, au conformisme, au dogmatisme. Oui, ça existe partout, ça existe dans les laboratoires de recherche, dans les universités, dans la politique, comme ça existe dans les institutions psychanalytiques. Ça existe aussi. Bah, compliqué dans les institutions psychanalytiques avec la notion de transfert. Le transfert sur le maître, sur les relations qui peuvent exister entre analystes à l'intérieur d'une école, où quand il y a une pensée nouvelle qui apparaît, elle est tout de suite jugée ou évaluée. Non pas en fonction de ce qu'elle apporte réellement à l'intelligibilité, mais en fonction de la personnalité de la personne, de son lien avec tel courant, etc. etc. Bon, là, il y a plein de gens qui en ont parlé, c'est François Rousteau en particulier, donc c'est pas la peine d'insister. Donc effort quand même métapsychologique. Et ensuite, curiosité pour le monde extérieur. Voilà. C'est-à-dire s'intéresser aux dimensions nouvelles qu'offrent les nouvelles dimensions de l'anthropologie contemporaine, les sciences cognitives, l'intelligence artificielle, qui est tout à fait passionnante à étudier, l'étude des nouveaux mouvements sociaux, etc. Donc il y a la nouvelle sociologie, la sociologie des réseaux, etc. Donc il y a toutes sortes de domaines qui sont potentiellement fructueux pour la psychanalyse, y compris pour la pratique analytique, à partir du moment où on dispose d'une vision intérieure, conceptuelle, qui permet de donner accueil. Et je crois, c'est ce que j'essaie de vous dire ce soir, que la complexité permet de nous offrir cette vision. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup Benoît pour ce très bel exposé, très relativement dense. Moi, j'avais lu certains de vos textes déjà depuis longtemps, mais j'avais relu encore avant cette conférence-ci un des derniers que vous avez intitulé de la même manière que la conférence, et où beaucoup des choses que vous développez sont reprises. Donc on peut facilement s'y référer pour essayer de décondenser un petit peu certaines des choses qui sont... parce qu'on n'est pas très très familier de ces... Enfin, en tout cas, la plupart d'entre nous ne sont pas très familiers de ces modes de pensée, que je trouve vraiment extrêmement intéressant. Et vous avez bien pointé pourquoi penser les systèmes complexes de manière métaphorique par rapport à la psychanalyse peut nous faire progresser dans l'avancée. Je pense que de le placer sur ce mode métaphorique me paraissait effectivement important, et d'expliquer que c'est pas les systèmes, enfin, c'est pas une espèce du terme système dynamique complexe, mais que c'est vraiment les propriétés de ces systèmes
qui sont cohérentes avec une évolution de la psychanalyse. Je trouve que vous l'avez expliqué avec beaucoup de précision. Peut-être simplement une chose par rapport aux attracteurs qui, donc, dans cette perspective-là, sont effectivement des un peu une clé de ces systèmes. Ces attracteurs, vous dites dans votre texte que ce sont des états mentaux. C'est-à-dire que, parce que quand on dit attracteur, ça a un air un petit peu abstrait. Mais en fait, si on le pose comme des états mentaux, alors on voit mieux. Et je pense que c'est ce que j'ai voulu, moi, associer à l'idée de configuration psychique. Des configurations psychiques, c'est un certain état mental dans lequel on est organisé d'une certaine manière pour être en contact avec un certain niveau de réalité et qu'on va se retrouver dans une autre configuration quand on est confronté à la nécessité d'être dans un autre niveau de réalité. L'exemple, par exemple, c'est la rêverie éveillée versus la concentration sur un texte difficile comme un article de Benoît Virol, par exemple. Vous voyez, on n'est pas dans le même état mental. Voilà. Et pour moi, c'est ça, les configurations. Et je pense que, alors, je pense qu'il y a certainement d'importantes, plus que des nuances, sans doute, entre vos développements et les miens. Mais enfin, je pense qu'on se rejoint sur des idées, disons, des directions, plutôt que des idées précises. Est-ce qu'il y a d'abord déjà des questions que vous souhaiteriez poser? Parce qu'après moi, je reviendrai sur d'autres aspects. Peut-être que il y a des précisions que vous auriez aimé demander à Benoît par rapport à son exposé. Je me demandais si vous avez assommé, mais non, c'est en pensant là. J'ai une question justement par rapport aux attracteurs. Vous en parliez dans vos troisièmes propositions quand ces systèmes s'agencent autour de noyaux de stabilité. C'est à ce moment-là qu'intervient les attracteurs ou vous intervenez déjà? Non, l'attracteur, c'est le noyau de stabilité. Un bon exemple, un attracteur, ça peut être un point fixe, ça peut être aussi une. Un cycle, vous voyez, c'est une belle. À un moment donné, moi j'avais beaucoup travaillé avec les enfants, j'avais travaillé sur les stéréotypies gestuelles. Et les stéréotypies gestuelles, il y en a qui sont cycliques. Et ben, c'est un attracteur. Enfin, c'est le système va se stabiliser dans une certaine configuration. C'est ça. C'est vrai que c'est une notion abstraite, hein, puisqu'en fait, elle peut exister dans différentes échelles. Il n'y a pas une ontologie de l'attracteur, si vous voulez, au sens. C'est l'état de stabilité d'un système. Ce que vous voyez en météorologie, c'est bien, vous voyez bien le mouvement des vents autour de quand vous regardez une carte de météo, c'est tout à fait ça. L'atmosphère, en fait, est en mouvement, mais elle est attirée vers les attracteurs que sont les basses pressions, par exemple. Je me permets de vous citer dans un autre de vos articles qui sont sur votre site, qui s'appelle « Topic de la complexité ». Et là, vous parlez dans un chapitre de la psychopathologie comme paysage d'attracteurs, et vous écrivez « Le soi possède sa propre psychopathologie. La distinction générale névrose-psychose et celle opposant les névroses de transfert avec les névroses narcissiques est abandonnée. Et il lui est substitué, donc dans vos propositions, une nosographie dynamique assimilable à un paysage d'attracteurs en compétition, chacun d'eux correspondant à une stabilisation, parfois métastable, de l'organisation structurale des états du soi. Les attracteurs attirent à eux des représentations, des fantasmes, des désirs, des identifications. » Voilà. C'était un essai, si vous voulez, de penser la psychopathologie de façon globale, non plus il y a telle séquence génomique, hop, ça va donner une PMD, une schizophrénie, etc. Mais de penser pourquoi est-ce qu'il existe ces différentes formes psychopathologiques et les insérer dans un système global. Voilà.
Et donc, c'était un peu le... En fait, moi, le fond de ma... Ça m'est venu avec la disparition de la catatonie schizophrénique. C'est ça qui a été généré un peu... Moi, j'ai travaillé en début de carrière à l'hôpital psychiatrique à Perret-Vaucluse. Et il y avait des schizophrènes en catatonie. Et donc, les appelaient autistes. Parce qu'ils étaient complètement... Et aujourd'hui, et donc il y avait une régression en quelque sorte, et on m'expliquait que la schizophrénie, c'était un mouvement qui allait vers la catatonie, et vers la régression autistique complète de la catatonie, et que c'était difficile après de faire la distinction entre un autiste profond et un schizophrène, parce qu'ils étaient tous les deux... Et après, la catatonie, on ne la voit plus beaucoup parce que les neuroleptiques entravent la régression schizophrénique. Mais ça me dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne penserait pas la psychopathologie en coexistence de ces potentialités attractives que peuvent être les différentes grandes configurations psychopathologiques. C'est un peu l'idée. Ouais. Et puis c'est aussi lié même à la clinique. Moi, j'ai été formé avec les grandes structures obsessionnelles, hystériques, phobiques. Mais dans la clinique analytique, ces structures-là, elles sont, je trouve, elles sont moins claires. Et donc, il peut y avoir des transitions entre ces éléments. Et donc, les attracteurs. Raisonner en termes d'attracteur permet de penser ça. J'avais une question par rapport à votre conclusion. Est-ce que un des éléments pour essayer de penser ce paradoxe que vous soulignez bien entre le potentiel, au fond, transformateur de la psychanalyse et son actuel désintérêt, enfin relatif, est-ce que ce n'est pas quand même... lié à la position de la psychanalyse par rapport à ce que Freud avait isolé comme réalité externe. C'est-à-dire que dès lors qu'on pose une réalité externe à laquelle serait adossée une réalité psychique, on est amené à exclure du champ de la psychanalyse pratiquement le monde entier, la vie entière. Et donc, je me demande si quand même, par rapport aux enjeux, vous avez parlé de virtuel, où est-ce qu'on met le virtuel? On le met dans la réalité externe ou dans la réalité interne? Qui peut dire ça? Personne ne peut dire ça. Et maintenant, on le voit bien. Et on voit bien donc que cette question... Alors, Freud, c'était une nécessité, on pourrait dire, méthodologique pour lui de procéder ainsi. Il devait faire ça parce qu'il fallait individualiser quelque chose d'autre que la réalité externe qu'il a appelée réalité interne. Et donc, et c'est logique, il a construit sa théorie, son modèle, sur cette base-là. Mais à un moment donné, c'est ça qu'il faut, il faut se retourner vers la réalité externe, et puis dire, mais c'est quoi en fait la réalité externe? Et qu'est-ce que c'est? En quoi l'une est interne ou traître externe? Ça n'est pas tenable. Et donc je pense qu'il y a là un des éléments de réponse, en tout cas à la question. Ce qui expliquerait... aussi pourquoi les pratiques changent. Oui, absolument. La pratique, tous ici qui est analyste, vous travaillez dans des cliniques où vous faites des choses extrêmement différentes et variées et dans des interactions avec le socius qui sont, et les institutions sociales qui sont majeures. Je veux dire, majeures. Sans parler des architectes. Juste intervenir, c'est pas vraiment une question, mais voilà, je voulais vous dire que j'avais vraiment beaucoup apprécié votre exposé, parce que je trouve que vous prenez une position méta par rapport à beaucoup de choses qu'on vit et qu'on ressent quand on se lance dans la clinique, que ce soit face à un système psychique individuel, autant que ça existe, mais face à un système familial, quand on est comme psychiatre, on voit beaucoup d'enfants et de familles. Et je trouvais à deux niveaux comme ça, enfin tout ce que vous disiez par rapport aux attracteurs et par rapport à l'équilibre au fond, par rapport à la psychopathologie, enfin de l'avoir
de manière beaucoup plus dynamique, enfin, comme un système dynamique et avec des niveaux de fonctionnement. Et, enfin, le bien, on l'a re-théorisé à partir de l'INTM, entre PS et D, enfin, l'interaction entre position déplacée et position fixée par un but. Je trouve que c'est vraiment très intéressant. Et d'un autre côté aussi, je trouve, au niveau de notre pratique clinique, enfin, ce que vous disiez sur les systèmes, d'une part par rapport au deuil qu'on doit faire de la totalité, enfin, je trouve qu'on voit bien en clinique comment, en fonction de ce qu'on a et de la rencontre avec le patient ou la famille, on peut travailler certaines choses et élaborer, théoriser certains aspects du fonctionnement. D'autres, enfin, on peut théoriser, enfin, on a accès qu'à quelque chose de très partiel, je trouve, au niveau de notre clinique en général. Et même quand on reprend toute une situation comme une analyse au fil de plusieurs années, on se rend compte comme on a des angles, soi-même on a été amené à voir les choses sous différents angles, et c'est très difficile d'en donner un reflet d'une totalité. C'est des interactions comme ça, complexes en fait, qui sont mises à jour. Je trouve ça, c'est vraiment intéressant. Et aussi, par rapport aux origines, au deuil des origines, d'une part, enfin, que, évidemment, la causalité, il n'y a aucune causalité simple. C'est beaucoup plus intéressant de parler en termes de causalité circulaire, d'une plurifactorielle. Voilà, je trouve que c'est très. Enfin, je trouve que vous mettez en théorie quelque chose qu'on ressent et qu'on pratique dans la clinique. Voilà, je voulais juste vous remercier. Merci. Peut-être un point qui me paraît également important. Je ne sais pas si vous avez lu ce livre de Dominique Bourg et Sophie Zouaton qui s'appelle « Primauté du vivant, essai sur le pensable ». Donc Dominique Bourg, c'est un philosophe des sciences suisse qui est un peu une figure de la pensée écologique. Et dans ce livre, il reprend au fond l'intelligence animale, et puis il passe à ce qu'il appelle l'intelligence des plantes, et il montre bien combien il y a là des formes d'intelligence qui ne sont évidemment pas du niveau de complexité de la pensée humaine, mais qui sont des alors ce qu'il appelle lui des pensées sans sujet. Ça fait un peu penser d'ailleurs à ce que Bion disait, une pensée sans penseur. C'est-à-dire que quand des acacias, quand un acacia commence à avoir ses feuilles qui sont bouffées par les antilopes, il sécrète une hormone qui rend les feuilles non comestibles pour les antilopes. Et par ailleurs, il envoie un signal olfactif qui est porté par le vent et qui fait que les autres acacias de la suite, s'ils sont dans le bon sens du vent, font la même chose. Bon. Alors, c'est quand même. Alors, il dit on ne peut pas penser l'intelligence des plantes comme une intelligence individuelle, mais il y a une intelligence, on pourrait dire, collective, écosystémique. C'est comme si, parmi toutes les mutations possibles de l'ADN, ils étaient tombés par hasard, ces acacias, sur exactement la substance qui va provoquer des indigestions chez l'antilope, comme s'il connaissait le fonctionnement somatique de l'antilope. Donc il dit, bon, statistiquement, c'est peu probable. Donc il faut bien qu'il y ait quelque chose qui, petit à petit, se transmette dans le vivant. Mais comment ça se transmet? Alors, je trouve que votre hypothèse sur le fait que A interagissant avec B, enfin, c'est pas une hypothèse, c'est la théorie des systèmes complexes, produit éventuellement un C, et que peut-être A et B disparaissent, mais que C contient quelque chose des traces de ce qui a produit l'interaction, est un modèle extrêmement heuristique pour penser l'intelligence des plantes et l'intelligence des animaux. Mais du coup, qu'est-ce qui en nous recueille tout ça?
est-ce qu'en nous, il n'y a pas cette ces formes d'intelligence, mais qui ont été comme, comment dire, submergées, écrasées par les développements de notre intelligence très différenciée et de plus en plus différenciée. Et alors, c'est là que je voulais peut-être en venir à un désaccord, je pense, entre nous par rapport au soi. Parce que le soi que vous décrivez, c'est un soi qui est comme issu du moi. C'est la récursivité du moi, du narcissisme, qui produirait le soi comme instance narcissique. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait du préobjectal? Qu'est-ce qu'on fait du self de Winnicott qui est issu de l'unité primaire bébé-environnement et où il n'y a pas de différenciation sujet et objet, ni moi non moi. Voilà. Et donc, est-ce qu'il ne faut pas penser, avant le soi tel que vous le décrivez, un soi qui correspondrait beaucoup plus à ce niveau d'indéterminé, de non différencié, d'informe, et qui serait le dépositaire de toute cette mémoire phylogénétique et à ce titre étant la source de tous les développements qui viennent par ailleurs se surajouter ensuite dans le registre des différenciations. Voilà, ça, c'est une question que... Pourquoi pas appeler ça l'inconscient alors? Pour Freud, c'est l'inconscient, le réservoir des traces phylogénétiques. Mais sinon, oui, non, mais Parce que, il me semble que votre soi, c'est un soi qui est issu de la différenciation. Oui, non, tout à fait, non, c'est vrai, oui. C'est, mais c'est, ça ne se substitue pas aux relations objectales ni au fonctionnement moïque. Hein. C'est un autre niveau dans la progression de la complexité psychique, le soi étant en superstructure, en surface. Mais le... Oui, non, c'est... Bon, c'est fait de cette façon... C'est des tentatives de pensée, hein, je dirais. J'accorde pas une ontologie à ces constructions. Hein. C'est une recherche de rendre... c'est une recherche de compréhension, quoi, de que ça puisse être intelligible, hein, c'est-à-dire de refuser la défaite de la pensée qui consiste à ne pas à reculer ou à ne pas avancer dans la compréhension. Alors ça, c'est peut-être lié aux singularités d'une partie de ma clinique, parce que une partie de ma clinique qui est conventionnelle, standard, hein, des patients adultes, on analyse... Mais j'ai quand même une grande partie de ma clinique qui a été faite avec soit des enfants sourds sans langage oral, donc des thérapies en langue des signes, beaucoup de personnes autistes, et puis des patients schizophrènes. Donc avec cette clinique-là, était obligé un peu de penser différemment. Quoi. Mm-hmm. C'est ça qui a... Vous parlez des patients psychotiques, donc ça me fait penser à Searles. Mmh. Ouais, c'est vrai. Searles qui écrit son premier livre en 1960, hein, qui dit que la catastrophe écosystémique qui se profile est le problème majeur de l'humanité, beaucoup plus que la menace de la guerre atomique qui à l'époque, quand même dans les années 60, c'était assez présent. Et voilà, et alors Searles, il n'est même pas traduit, hein. Il est traduit, ce livre-là est traduit après que été traduit l'effort pour rendre l'autre fou. Voilà. D'or, dans ce livre, ce livre est le fruit de son travail avec des patients psychotiques, des patients schizophrènes, et lui, ce sur quoi il avait attiré l'attention, c'était ce qu'il a appelé l'apparentement. Alors l'apparentement, c'est au fond ce lien profond et presque indéfinissable, qui nous unit au non-humain, enfin ce qu'il appelait le non-humain. Et que Winnicott a dit, mais ce n'est pas le non-humain, c'est le non-projectif. C'est quelque chose qui est du niveau de la double dépendance. Et Searles disait, mais dans l'apparentement, il y a deux choses. Il y a à la fois ce sentiment profond et qu'on ne peut pas expliquer,
d'être en continuité avec le monde animal et les plantes, et que certains ressentent, mais que la vie citadine rend plus éloignée et plus difficile. Donc il y a ça, cette espèce de fond comme ça, mais aussi un profond sentiment de notre identité individuelle. C'est-à-dire que et que l'homme est dans un conflit, dans ce conflit entre les deux pôles. Et il dit, chez les schizophrènes, il y a une terreur par rapport à se perdre dans ce premier niveau qui est une sorte de fusion, ou qui est vécu comme une fusion, la menace d'une fusion avec ce végétal, cet animal, etc., de quoi ils doivent se protéger par des clivages radicaux. Voilà. Donc, c'est au fond la faiblesse du soi, tel que vous le définissez, comme pôle narcissique de stabilité, c'est la faiblesse de ce pôle-là qui les rend fragiles et devant se défendre radicalement par rapport à l'autre pôle du soi, qui est celui que je disais moi avant, qui est celui du côté de l'indifférenciation. Voyez, et je trouve ça vraiment intéressant à réfléchir comme ça, parce que c'est... et que la clinique de la psychose, je crois que c'est peut-être pas par hasard non plus que vous avez beaucoup insisté sur le soi qui donne une consistance individuelle, plutôt que l'autre qui est de l'ordre de la terreur pour ce genre de patient-là. C'est-à-dire que c'est permis d'élaborer l'angoisse psychotique. C'est vrai ? Non. Vous pourriez en dire un peu plus là-dessus ? Pardon ? Ça permet d'élaborer quelque chose de l'angoisse psychotique, vous pourrez... Ah ben, quand on travaille avec des schizophrènes, enfin, non, mais, c'est un... Pour pas devenir fou soi-même, il faut et ne pas les faire décompenser radicalement. C'est ce que Racami disait, là, être l'ambassadeur de la réalité. Hein, c'est pour les schizophrènes, c'est-à-dire de pouvoir. Là... Enfin, moi, c'est des schizophrènes que je voyais en ambulatoire, en privé, suivi par ailleurs par un médecin, donc un traitement en bifocal, quoi. Mais bon, j'ai beaucoup appris de la psychothérapie des schizophrènes. Ouais. Beaucoup. Ouais. Et la nécessité de connaître les sciences cognitives quand on a une schizophrène. Parce que les troubles cognitifs chez les schizophrènes, c'est une vraie réalité. Et quand on est armé conceptuellement pour percevoir les troubles cognitifs des schizophrènes, et ben on peut mieux être avec eux sur le plan analytique. Ouais. Donc là, il y a vraiment... Le barrage, par exemple, les phénomènes de barrage. Hein, c'est à un moment donné, le schizophrène s'arrête et il y a ce qu'on appelle un barrage, donc il n'y a plus de pensée. Ils sont très très bien expliqués par les sciences cognitives. Et quand on est face à un barrage, ben, il faut intervenir. Il faut relancer. Voilà. Si on attend l'émergence du signifiant. C'est pas bon. Et le matériel paranoïde, vous l'utilisiez ou pas ? Le matériel paranoïde. Donc, je pense à un patient que je vois, et donc lui, il est l'élu, il est en communication et il fait des voyages. Un délire paraphrénique. Dans le multivers. Et donc, si le monde va si mal, c'est parce qu'il y a un conflit entre l'ego et, je ne sais plus, j'ai oublié l'autre partie, et qu'il faudrait que lui, peut-être, meure pour que la lumière retombe sur l'humanité et permette à chacun de remettre l'ego à sa place et de rétablir les liens avec les autres, on pourrait dire. Voilà. Donc il y a un mélange de dimensions mélancoliques et de... Voilà. Mais, alors, moi, je parle de ça avec lui. Vous voyez ? Mais je me demande, quelle est votre expérience ? Est-ce que c'est... voilà. Moi, j'ai l'expérience d'un patient
Parce que, enfin, ce que vous dites me fait penser à lui, en tout cas. Mais c'est vrai qu'il est plus paraphrénique. C'est une ancienne psychose infantile qui a évolué sur un mode. Un patient qui avait un délire paraphrénique spatial, satellitaire, sur les extraterrestres, etc. Mais il n'y avait pas cette dimension sacrificielle. Parce que là, votre patient, il a une dimension sacrificielle. Oui. Il doit se sacrifier. Mmh. C'est quand même aussi une thématique religieuse. Très profond. Là, mais c'est pour ça que moi je suis très en phase avec vos travaux, parce que la question du soi, elle est liée à la question du social. Mm-hmm. Elle est fondamentalement liée à la question du social. C'est-à-dire qu'on est soi dans le rapport aux autres, dans le rapport à l'autre, quoi. Et que cette, aujourd'hui, le rapport à l'autre, le rapport social, il est incroyablement... il s'est modifié de façon incroyable par le virtuel, par les réseaux sociaux, mais plus profondément par c'est ce que j'essayais de dire tout à l'heure, par le fait que ce qu'on... c'est notre... On attend de l'autre une admiration de soi. Et c'est quand il y a cette admiration réciproque qu'il y a constitution du lien social. Et j'ai l'impression que les sociétés individualistes se structurent sur ce mode-là. Est-ce que c'est l'admiration ou est-ce que c'est la reconnaissance? Alors ce n'est pas la reconnaissance hegelienne, justement. Ça serait la reconnaissance hegelienne. On y est habitué, la reconnaissance hegelienne, le maître et l'esclave. Bon, là, c'est là où c'est coloré du narcissisme, ou infiltré du narcissisme. C'est pas la reconnaissance hegelienne, c'est vraiment... c'est une question de vie ou de mort. Hein. Reconnais mon existence, sinon je meurs ou sinon je te tue. C'est vraiment une question de générer chez l'autre le désir pour sa propre image. Et là, je trouve qu'il y a une organisation narcissique de nos sociétés qui est vraiment très très forte, très très forte. Et qui amène à ne pas se satisfaire de la théorie conventionnelle du narcissisme, et effectivement aborder une façon nouvelle de voir le soi disséminé étant tout à fait adéquate pour penser ça. Oui. Bon. Je vous ai assommé un peu, donc pas tout ça. Je me dis, si on prend un individu, il est rempli d'attracteurs. Oui. C'est juste. Oui, oui, c'est multi-échelle. Hein. C'est multi. Ouais. C'est un attracteur, ça suppose quand même une organisation. À minima. Et donc, il y en a partout. Et comment s'y trouver, en fait? Donc, comment est-ce que... Je suppose qu'avec cette idée d'attracteur, on peut aussi faire une sorte de gradient, de hiérarchie dans les attracteurs. Mais un gradient, c'est tout ce que vous avez fait, tout, c'est le terme. Hein, c'est en fait, les attracteurs se définissent par... On ne peut pas les définir autrement que par un gradient. Et en fait, c'est souvent des gradients énergétiques. C'est le gradient de plus faible énergie vers lequel convergent les trajectoires du système qui vont se stabiliser. Voilà. C'est quelque chose qui est connu depuis très 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 longtemps, y compris par ceux qui ont travaillé sur sur l'évolution psychique en termes organodynamiques. Henriet, par exemple. Henriet résonne en termes d'attracteur. Jackson, etc. C'est pareil. Hein. Dégradation en énergie, on se récupère sur un attracteur de plus basse énergie. Alors, sur le plan émotionnel, sur le plan des états d'humeur, ça se voit beaucoup. Être dans une humeur alerte,
nécessite une consommation énergétique plus grande que quand on est dans une rétraction dépressive. Et puis Gaucher aussi a beaucoup parlé, le ralentissement dépressif. Mais vous avez des attracteurs à toutes les échelles, dans toutes les dimensions de la complexité. En fait, la complexité, c'est pas, il n'y a pas un truc complexe, c'est la complexité, elle existe partout. C'est une façon conceptuelle, c'est un regard conceptuel sur les objets. Alors, les attracteurs, ils peuvent bifurquer. C'est-à-dire qu'ils peuvent se modifier. Et généralement, ils se modifient et ils bifurquent par des processus qu'on appelle catastrophiques. C'est un attracteur, il va pas se changer dans un autre attracteur par un processus continu. Il y a une discontinuité. Alors, la théorie des catastrophes de René Thom, enfin, a rendu intelligible le passage d'un attracteur à un autre. Qu'est-ce qui se passe entre... Voilà. Parce que souvent, ça passe par des formes qui sont des formes catastrophiques qui sont identifiables. Voilà. Alors, là, on est à un niveau de profondeur différent, mais... Mais oui, Mais la notion d'attracteur, elle est présente chez Freud, par exemple, dans les processus d'association libre. Il y a un schéma même chez Freud, où on voit très très bien, il dessine les pensées associatives qui sont en fait, qui sont guidées, attirées par un noyau inconscient, par une représentation inconsciente. Et la représentation inconsciente est l'attracteur des processus associatifs qui s'observent. Considérer par exemple l'association libre comme un processus complexe, et donc raisonner en termes de complexité, est tout à fait intéressant. Quel est l'attracteur qui est sous-jacent au fil associatif de... Voilà. Mais la dynamique de la cure aussi, enfin, tout, c'est un peu des concepts, voilà, qui sont des concepts qui permettent de comprendre les aspects dynamiques et complexes, comme ceux qui sont à l'œuvre en psychanalyse. Un gain supplémentaire, ça permet de pouvoir discuter avec de la psychanalyse avec d'autres, voilà. Et ne plus rester enfermé. Alors, si je peux encore... Ouais, ça. J'ai aussi été très intéressée par donc les effets de A sur B, ouais. De C, etc. Alors, je me dis que dans un premier temps, je me disais, bah oui, ça c'est bien ce qu'on fait, ça se répercute, même si on disparaît, ça reste, en fait, oui. Ça, narcissiquement, ça me plaisait assez. Puis après, je me dis, oui, mais si A est positif, ok, mais s'il est négatif. Eh bien, c'est comme ça, on vit bien avec nos identifications de nos parents décédés, y compris les identifications négatives. Mais généralement, c'est pas une loi absolue, mais généralement, on conserve de nos parents décédés les aspects positifs. Hein. Généralement. Mais par contre, la complexité, là, le fait que les traces du passé sont dans les instances complexes, ça, c'est majeur pour reprendre les questions fondamentales pour la psychanalyse que sont la transmission des fantasmes originaires. La planche, fantasme originaire, fantasme des origines, il ne peut pas y avoir de psychanalyse, à mon sens, de psychanalyse cohérente sur le plan théorique sans l'existence des fantasmes originaires. Et donc, s'il y a fantasme originaire, fantasme de séduction, fantasme d'Ipien, c'est qu'il y a une transmission. Et alors là, les darwiniens, ils disent non. Voilà. Par la complexité, on lève cette difficulté. Je trouve intéressant aussi les liens qu'on peut faire entre cette manière d'envisager la nature humaine, entre guillemets, et les questions auxquelles on est confronté au niveau écosystémique aujourd'hui. Hein, c'est-à-dire que cette idée d'une mémoire, enfin, on ne peut peut-être pas l'appeler mémoire, mais enfin de ce quelque chose du vivant qui
qui est en nous. Alors, où en nous et de quelle manière, ça c'est évidemment très difficile à pouvoir imaginer, mais enfin qu'il y a quelque chose là, de ces équilibres qui ont construit le vivant et ses interactions et les disparitions de certaines espèces, etc., depuis les origines jusqu'à maintenant, enfin les origines de la vie sur Terre, et puis qui a avec la, comment dire, une certaine forme du développement des sociétés humaines, quelque chose d'une rupture de cette, comment dire, cet apparentement, on dirait Searles, qui aurait produit petit à petit, enfin depuis un siècle, ou quelque chose de cette espèce de drame dans lequel on se trouve amené maintenant. Enfin, je trouve que cette idée des traces, et au-delà même de ce qu'on a l'habitude de penser comme traces, nous, hein, les traces des traumatismes de l'enfance, etc., tout ça, ça c'est évidemment, c'est très, on pourrait dire, c'est très présent pour nous, mais de traces qui viendraient de beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin, et même au-delà de l'espèce, enfin, et qui ne seraient pas de la magie, hein, qui seraient vraiment de la manière dont les écosystèmes, avec toutes les formes du vivant, ont constitué des savoirs dont la plupart sont complètement inconscients et complètement inaccessibles, mais qui néanmoins ont été effectifs jusqu'à un certain seuil au-delà duquel nous, clairement, on est passé depuis un certain temps. Je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi. C'est Ferenczi, hein. Mais la théorie de la complexité, permettent une relecture de des thèses de Ferenczi. Ce que vous décrivez, hein, c'est à la ça. C'est le passé phylogénétique est présent, et il est en nous, il se matérialise, y compris dans les symptômes, et on ne peut comprendre un symptôme que si on rend conjoint à la fois la dimension individuelle de ça, avec sa dimension phylogénétique ancienne. Et Freud, il a été constamment ferme sur ce point. Hein. Et il a toujours d'abord supporté Ferenczi, enfin moi très longtemps, hein, sur ses thèses phylogénétiques. Et lui-même, Freud, était lamarckien. Et même à la fin de sa vie, on était en, je sais pas, 1935, 1939, Darwin, l'origine des espèces, c'est 56, ça fait quand même très, très ancien, toute la biologie était darwinienne, et Freud, ils se trompent tous, donc il va quand même avoir un sacré, ils se trompent tous, vous verrez plus tard, c'est moi qui aurais raison, le lamarckisme va venir, il y a des transmissions de traces. Et aujourd'hui, on a les moyens, avec en sciences cognitives, en intelligence artificielle, de revalider cette idée-là. Les chercheurs en sciences cognitives, ils sont beaucoup plus ouverts à ces questions-là que les psychanalystes aujourd'hui, d'ailleurs. Parce que vous avez un domaine qu'on appelle la vie artificielle, qui est un domaine incroyable, où en fait on modélise numériquement des organismes, et on les plonge dans des environnements dont on connaît dont on maîtrise aussi les paramètres. Et on voit des processus se dérouler, des processus sélectifs, évolutifs, purement virtuels, numériques. Hein. Il n'y a rien de vivant. Mais on voit apparaître des phénomènes qui sont des phénomènes imprévus, et donc des phénomènes qui sont... la vie artificielle montre que les systèmes s'organisent avec une transmission des acquis sur plusieurs générations. Voilà. Il y a des modes de transmission. Donc le darwinisme strict, il est en voie de réfutation partielle. Il est vrai à certains niveaux, à une certaine échelle, il est faux à d'autres échelles. Voilà. Vous pourriez faire beaucoup de conférences. Pardon ? Vous pourriez faire plusieurs conférences.
Hein ? Bah oui, la vie artificielle, ah oui. Voilà, ah oui, on a envie de... Hein ? Oui, oui, ça c'est... Oui. Bah écoutez, hein, pourquoi pas, non, non, je peux... Mais les conférences, c'est bien pour la pensée, hein, pour pouvoir penser, ah oui. Hein, c'est parler, j'ai des surtout dans un cadre aussi sympathique, voilà, hein, ça aide à penser. Hein. Bien. Il y a encore d'autres commentaires ou questions? Eh bien, merci beaucoup pour votre venue. Merci.